Moi, le ressenti que j'en ai eu, c'est enrichissant. Vraiment, autant sur les intervenants, sur le collectif citoyen, parce qu'il y a aussi eu de la bienveillance. Et ça, c'est super important. On a pu travailler en groupe, sous-groupe. C'était sur nos avis, sur vraiment tout. Vraiment, il n'y avait pas de d'arrière-pensée. Nos doutes, nos craintes, notre confiance, c'est important. Et c'est vrai que bah, tout ça donne un enrichissement en fin de compte, on a envie de continuer pour en apprendre plus pour nous-mêmes parce que je fais partie des personnes qui ont encore ces doutes au niveau de la vaccination. Donc voilà, pour l'instant, je dirais que j'en suis contente et j'apprécie énormément ce qu'on fait actuellement. Déjà les rencontres avec les directeurs d'hôpitaux, donc c'était et que ça soit aussi officine, on se posait la question sur les pourquoi vacciner plus les personnes âgées dans les EHPAD. Donc on a eu des réponses par rapport à des statistiques. Enfin, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte, donc je vais pas pouvoir tout raconter parce que c'est long. On a eu aussi l'état d'esprit des soignants. Leur justement savoir comment ils se trouvaient en cette position justement avec le vaccin, la pandémie. Donc on a eu aussi les réponses de fatigue et un état d'esprit un peu faible actuellement au niveau du personnel de soignants. Donc c'était très très enrichissant et puis plein de d'informations statistiques aussi. Donc c'est vrai que c'est un mélange d'informations complet et en même temps, on a aussi eu le maire de Lyon qui est aussi intervenu et avec qui on a eu une rencontre différente parce il parlait plus justement comment procéder au niveau des habitants, ce qu'il avait envie de faire et surtout, il nous a appris que lui, il avait mis en place, donc pas spécialement pour la Covid, mais la campagne de vaccination, mais un collectif citoyen dans sa ville. Et je trouve ça super intéressant et justement, ça nous donne des idées à nous dire bah, pourquoi on ne le fait pas dans d'autres villes, quoi. Je pense qu'on a besoin encore d'autres intervenants en professionnels de santé et autres. On n'a pas encore tout vu et tout entendu. Que ce soit sur le vaccin, sur la pandémie, sur le retour des citoyens autres que nous, hein, bien sûr. Il y a encore plein de questions qui restent en suspens et on a une super belle équipe, je pense, qui justement nous écoute et on écoute aussi. Donc, très, enfin voilà, pour moi, si ça continue comme ça, c'est super. Voilà, j'espère que ça sera aussi enrichissant que les prochaines, enfin que celle-ci. Et j'aimerais, après, j'espère, c'est plus le présentiel parce que je pense que ça apporte beaucoup l'humain. Et moi, je suis pour l'humain, tout en ayant les gestes barrières, bien sûr. Mais ça, c'est mon souhait de pouvoir vous rencontrer tous en réel, on va dire ça comme ça.